Sylvie Vartan et Tony Scotti sont mariés depuis 40 ans. Quand ils se sont connus, Tony était marié et Sylvie sortait de son mariage avec Johnny. Ensemble, ils ont adopté Darina, née en Bulgarie, pays d'origine de Sylvie. Une famille recomposée dans laquelle tout n'a pas toujours été simple. En effet, les débuts de la cohabitation entre David et son beau-père ont été un peu compliqués. C'était difficile pour David car il n'avait jamais connu un homme en permanence, avait expliqué Sylvie. Mais la relation entre les deux hommes a finalement évolué dans le bon sens. Tony était là au quotidien, c'était pas des va-et-vient, des interruptions de relations comme avec Johnny. David avait besoin de cette stabilité et il l'a trouvée. D'autant plus que Tony aime être père, il a beaucoup de psychologie et il donne confiance. On peut réellement compter sur lui. David a évoqué sa relation avec son beau-père dans son livre Tu ne m'as pas laissé le temps. Il dit, Tony Scotti a été d'une importance énorme dans ma vie de famille recomposée, qui a souvent été un carnage. Il a su soulager beaucoup de mes peines. Et il explique qu'il avait noué un rapport très fort avec l'époux de Sylvie. Le fait qu'il me porte un intérêt dès qu'il a été avec ma mère a simplifié les choses. Il s'est occupé de moi et il a été un élément important dans mon caractère en tant qu'homme.